pas le retenir. C'est le meilleur. C'est Agapios qui t'envoie ? Oui. Tu as été suivi ? Non. Tu es sûr de ne pas avoir été suivi ? Il m'est impossible d'affirmer qu'on ne m'a pas suivi. Alors nous sommes en grand danger. Je suis Mystios. C'est un métier dangereux. Pas à ce point ! La dague est impitoyable. Sa corruption, son influence sont infinies. Elle surveille cette épave, et je suis certaine qu'elle t'observe aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce navire ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait partie de la flotte de la dague. Ces hommes essaient de récupérer ce qu'il contient. Et si c'est important pour la dague, c'est important pour nous. Comment sais-tu que la dague surveille l'épave ? Je vois des gens la quitter en barque. Des hommes plongent et ne remontent pas. Ceux qui le font sont dans un triste état et terrifiés. On les force à redescendre jusqu'à ce qu'ils en meurent. La dague cherche quelque chose et ne s'arrêtera qu'après l'avoir trouvé. Comment t'es-tu retrouvé mêlé à tout ça ? C'est le bateau de mon maître qui a attaqué le navire de la dague. Mais il est mort, comme beaucoup de ses hommes, lors des combats.
Je trouverai ce qu'il y a là-bas. Merci. Tu aimerais savoir autre chose avant de partir? Où se trouve cette épave exactement? Droit au sud d'ici. Tu ne peux pas la rater. On voit encore des débris à la surface. Tu dois savoir des choses au sujet d'Agapios. Oh, je pourrais te dire beaucoup de choses sur Agapios. Mais je ne te dirai que ce qui compte vraiment. C'est un homme bien. À ses yeux, la confiance prime sur tout. J'en sais assez pour continuer. J'ignore quelle est sa cargaison, mais elle intéresse beaucoup la dague. Si tu réussis à la trouver, peut-être mon maître ne sera-t-il pas mort pour rien. Quand ce sera fait, retrouve-moi à Eretria. Mystios, par ici. Ces ruines sont un bon rappel des destructions causées par les Perses. Allez, du nerf, vous autres! Eretria ne va pas se reconstruire toute seule! Voilà, c'est l'épave. Des débris de l'épave de la dague. D'un style peu courant. Ce doit être ce que cherche la dague. Maintenant, trouvez la femme à Eretria. Thank you.
dis-moi pourquoi. Pourquoi tu t'intéresses à l'épave? M'y intéresser? Non, je ne... Ne me mens pas! Quelqu'un! Vais... Ah 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 Je peux t'offrir une vie meilleure. Rejoins mon équipage. Miu, tu es blessée? Je... N'aie pas peur. Tu ne crains plus rien. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé cette lame, qui porte des marques étranges. Ah, alors l'objet que la dague tenait tant à retrouver était... une dague? Cette lame est probablement utilisée pour offrir des sacrifices à Achille. La dague doit le vénérer. Trouve le bon temple d'Achille et tu trouveras la dague. Mais quel temple est le bon? Que feras-tu quand la dague aura disparu? Ce sera agréable de ne plus vivre dans la peur, mais je reste une esclave sans maître. Une esclave sans maître est libre. Agapios le saura quand je lui montrerai cette lame. Trouve-toi un endroit sûr et cache-toi jusqu'à ce que ce soit fini. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai que les vêtements que je porte. Tiens, ça t'aidera à prendre un bon départ. Merci, Mystios. Je n'oublierai jamais le cadeau que tu m'as fait, la liberté. Je n'ai pas encore rencontré tous les contacts d'Agapios.
Je ne te laisserai pas faire une chose aussi stupide. Ce partisan de la dague. On ne peut pas le laisser nous faire ça sans réagir, Ria. Pense aux enfants. Tu crois peut-être que je ne pense pas à eux? Eh bien, on ne le dirait pas. Comment oses-tu? Ça suffit, vous deux! Tu es qui pour nous parler comme ça? La Mystios a raison, calme-toi. C'est mauvais pour eux. Vas-y, parle, étrangère! C'est Agapios qui m'envoie. Il veut prouver que son frère est innocent et anéantir la dague. Son frère? Neritos? Il n'est pas mort sur... Tais-toi, Idia! On a déjà assez d'ennuis comme ça. Dites-moi ce que vous savez. Faisons un marché. Tue quelqu'un pour moi, Mystios. Si tu m'aides, je te parlerai de l'endroit où complote la dague. On en a déjà discuté. Pas de meurtre. Parle à cet homme, plutôt. Oblige-le à tenir parole et à nous payer. D'accord. Je vais m'occuper de votre affaire. Un homme de la dague est venu nous voir un jour pour qu'on l'aide à étendre ses projets. Nous ne sommes pas liés à la dague, mais nous avions besoin d'argent. Il voulait que les enfants et nous-mêmes répandions le message de la dague au théâtre et dans les rues. Il se sert de vous, et de la sympathie qu'inspirent vos enfants. Oui, et maintenant il veut qu'on le fasse pour rien. Il a arrêté de nous payer, et il menace de s'en prendre à nos enfants si on ne continue pas. Je m'apprêtais à aller le tuer, mais il y a... On ne peut pas tuer les gens comme ça, Prexileos. Ça ne nous ressemble pas. Il habite la grande demeure au centre de la ville. Tue-le, et nous te paierons, Mystios. Tu entends ce que tu dis? Va lui parler. Menace-le s'il le faut. Nous ne sommes pas des sauvages. Je ne veux pas donner un mauvais exemple aux enfants. Je vais m'occuper de cet homme. Vous, préparez l'argent. Si tu as besoin d'autre chose, ou si tu oublies où est l'homme de la dague, reviens nous voir. Mais la dague le fera quand même!